Ma Mission TV, le miroir du monde. Tu écoutes la commissaire provinciale, tu as assuré la sécurité à bien et des personnes indiennes. Tenons à rassurer la communauté indienne que la police sera là, sera debout. Celui qui va oser toucher un indien sans motif sera arrêté. Il va congoler la haine, voilà ce que vous êtes. Pour la battre pendant la bon, ambassadeur a ici commissaire provincial que il y a des cas isolés dans le monde entier. Ce n'est pas ici seulement. Partout au monde, il y a des cas isolés. Il y a 10 ans, babouma qui est indien, moko a chani métal. Mais na haine, bah ça va attaquer congolais. Bah ça il a rencontré la semaine passée la famille de M. Joël. Il a présenté ses condoléances. Il a assuré que si la famille veut partir en Inde pour voir le corps des défunts, on est prêt à payer les billets et éventuellement rapatrier les corps dès que possible. Est-ce qu'un a besoin bêta? Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. De faire tout pour prodiguer des conseils à leurs enfants. Parce que c'est le moment de prodiguer les conseils aux enfants. Tous ces gens qui croient qu'ils vont s'enrichir ou bien qui vont créer des ordres. La police ne tolérera jamais ça. Tous ces voyous, tous ces civils qui veulent profiter de cette situation pour piller, pour voler, pour détruire l'économie de notre pays, vont trouver la police sur leur chemin. Donc, il y a une mission. La police a une mission de combattre la bâtonne de la bango. Tu as l'école, tu as la langue, tu as la langue, tu as la langue, tu as la langue. Tu as la langue, tu as la langue, tu as la langue. Ayez du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremple Royal sous Kanamasoro. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremple Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremple Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors concurrent, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremple Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremple Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleur selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu. Référence, stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salemananouté, le complexe hôtelier Tremple Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasoro chez Tremple Royal Kanokakae. La professeure de la police, pouvons-nous savoir le but de votre présence ici? You have received by commissaire provincial of police. What is your subject of your visit? Bonsoir. There have been some incidents of violence in Limite commerce area yesterday and today. Il y a des violences hier Limite commerce dans les avenues de commerce. These incidents were on the basis of fake video and baseless rumors spreading in media, social media here. Ça c'est que les violences qui se passaient à cause des fausses informations et des faux vidéos qui étaient en train de se circuler sur les médias. There is no additional death or any problem to any Congolese in India.
other than said death of Mr. Joel Malu 2 weeks before. Il n'y a pas eu d'autres meurtres en Inde, à exception de M. Joel. Les informations que puissent les médias, c'était fausse information. So, other than I have already told media after my meeting with the Minister of Foreign Affairs and other dignitaries here that it is an isolated case of death of a Congolese national in India, in Bengaluru, that was on 2nd of August, and any death of any national is really a very, very sad and bad for human being. Et après avoir rencontré son excellent ministre de l'Intérieur et ministre des Affaires étrangères, il a déclaré que ce qui s'est passé en Inde, M. Joël, c'est un incident isolé et que ça peut arriver dans, de n'importe quelle nationalité. Et c'est triste ce qui est arrivé en Inde à notre compatriote. Our Indian authorities are making an independent, autonomous and transparent inquiry in the death of Mr. Joel Malu, and those will be shared by our Congolese friends very soon, as and when the outcome of investigations are shared with me. Il y a des investigations qui continuent, même le rapport d'autopsie qui va sortir d'ici dans 10-15 jours, et le rapport sera soumis au gouvernement congolais. I again assure everybody that all the investigation in the death of Mr. Joel Malu will be transparent and independent, and very strict action will be taken against the culprits. Bon, l'enquête qui continue, ça sera transparente et juste, et celui qui est coupable sera puni très sévèrement. But my 2 days visit to meet General Kosongo was to ensure that disgruntled elements are not allowed to disturb the harmony between Indian and Congolese society in this beautiful country. La but d'aujourd'hui de voir commissaire provincial, c'est d'assurer que c'est pour cette façon d'incident ne doit pas commettre des relations entre le Congo et l'Inde. I have conveyed my thanks and gratitude to police authorities of Kinshasa to ensure that proper security and law and order is provided to all people, all expats, foreigners doing business in Kinshasa. Compliments à commissaire provincial de la police pour assurer la sécurité de tous les étrangers sans exception de leurs biens. So it is my humble request to all my Congolese friends that they should not be misled by false videos and false propaganda going on in social media, which is baseless and untrue. Bon, il supplie le peuple congolais de ne pas suivre les faux vidéos qui sont en train de circuler dans les médias et voir les propres informations, et pas sur base de ça qu'on doit créer des violences. Yesterday also some people circulated a video saying that some more Congolese have been killed in India, which was baseless and untrue. It was an old video of some other country. It was not India. Hier aussi il y a eu des rumeurs sur les médias qu'il y a 6 personnes qu'on a tuées. C'est une vidéo qui n'est pas de notre pays, c'est une autre vidéo qui provient d'un autre pays. On ne confond pas ce genre d'informations. Friendly, peaceful country, and nationals of more than 160 countries are living peacefully in India, and I'm personally aware
that hundreds of Congolese students are studying there and they are living there for years together, and there has been no problem like that. And c'est un pays accueillant, il y a plus de 160 pays du monde avec qui il a des relations, il y a de nos compatriotes qui étudient en Inde et ils vivent bien en harmonie. To share with you that I have personally met the family of Joel Malu last week, and I assured them that we will share their grief and we will convey our best possible assistance to them to go to India if they wish, or repatriation of mortal remains of Mr. Joel Malu, and help them whatever possible ways. Il a rencontré la semaine passée la famille de Monsieur Joël. Il a présenté ses condoléances. Il a assuré que si la famille veut partir en Inde pour voir le corps des défunts, on est prêt à payer les billets et éventuellement rapatrier le corps dès que possible. L'ambassadeur Bitnae Zalagi qui a eu le Makambo depuis l'Obina limité. Oh, vidéo moko eza ko circuler ke babomi si congolais encore vidéo wana ezali ya NDT vidéo wana ezali ya boka mususu ya Afrique ezali ya NDT donc toye kutala commissaire provincial to assurer biso sécurité ya bien et des personnes à indien mais bino boye ko singa ba assurer sécurité ya bino awa na Congo. Les Congolais en Inde, voilà, sécurisés, pour battre Bangoma. Bon, ambassadeur ABC, commissaire provincial, ils ont un cas isolé dans le monde entier, ce n'est pas ici seulement. Partout au monde, ils ont un cas isolé. Ce n'est pas un cas généralisé. Ce qui est arrivé, c'est un cas isolé. Message d'ini beaucoup et bisaba congolais par rapport à Makamoto sorti koleka pour que dans un calme na Makamoto. Mais c'est ça, par exemple, va passer exemple il y a 10 ans baboma qui indien moko wana chani metal, mais na end ba salagite ba attaquer congolais ba salagite. Donc un cas isolé qui arrive, ce n'est pas que les indiens qui ont que ba indien ba bumi congolais té. Content de recevoir la délégation conduite par son excellence Monsieur l'ambassadeur, ainsi que le président de la communauté indienne vivant à Kinshasa. Je les ai rassurés d'abord que la police a comme mission de protéger les personnes et leurs biens. Et la police va protéger tout le monde. C'est un devoir, c'est une mission constitutionnelle. Si vous lisez l'article 182 de la Constitution, vous verrez la mission de la police. Ce qui s'est passé avec notre compatriote Malu, Joël, c'est vraiment déplorable. Nous tous, nous avons déploré cela. C'est arrivé, mais il y a les enquêtes qui se font et nous attendons la voix de la justice, parce que son excellence, Monsieur le Président de la République lui-même a pris la chose en main en donnant des instructions fermes au ministre des Affaires étrangères ainsi que celui de le vice-premier ministre des Choses de l'Intérieur. Ils sont en train de suivre les dossiers sur le plan diplomatique ainsi que sur le plan judiciaire. Nous, notre rôle, c'est de sécuriser les personnes. Il ne faudrait pas que des politiciens à mal de positionnement commencent à distiller des mensonges pour qu'il y ait pillage dans cette ville. Nous avons connu des pillages en 91 et en 92. Ça nous a ramené où? Notre économie est par terre à cause de cela. C'est pourquoi nous tenons à rassurer la communauté indienne que la police sera là, sera debout. Celui qui va oser toucher un Indien sans motif sera arrêté et sera considéré comme Kuluna. Et d'autres qui vont piller, on va les arrêter et il y aura des procès en flagrance pour décourager tous les inciviques. La police est là pour sécuriser les personnes sans distinction des races ni des couleurs. Monsieur le commissaire, par rapport aux échauffourées, aux actes de pillage aujourd'hui à Limité, qu'est-ce que la police a pu faire? Y a-t-il eu des interpellations que vous avez fait? Oui, aujourd'hui, c'est à la 9e rue, on a pillé un camion remorque, là il y avait des ballots de friperies. La police est intervenue, on a récupéré plus de 40 ballots de friperies. Il y a, je crois, 23 qui sont disparus. D'ailleurs, ils ont confondu, c'est un ballon. Une société appartenant à un Libanais. Vous voyez la confusion. Ils ont
incendié un véhicule, Noah. Ils ont caillassé aussi des autres véhicules. Nous avons arrêté 3 personnes. Dès demain, on va les envoyer au parquet pour qu'ils subissent la rigueur de la loi. La police ne va jamais tolérer de telles choses. Tous ces voyous, tous ces civils qui veulent profiter de cette situation pour piller, pour voler, pour détruire l'économie de notre pays, vont trouver la police sur leur chemin. Et nous demandons aux parents de faire tout pour prodiguer des conseils à leurs enfants. Parce que c'est le moment de prodiguer les conseils aux enfants. Tous ces gens qui croient qu'ils vont s'enrichir ou bien qu'ils vont créer des ordres, la police ne tolérera jamais ça. Monsieur le Provincial, la population, certaines mauvaises langues affirment que vous avez des acquaintances avec cette communauté internationale. Voilà pourquoi vous essayez de les couvrir et de les protéger contre par là pour privilégier vos relations personnelles. Je ne sais pas si c'est pas de quelles relations. Ces gens qui accusent la police, accusent la police pour rien. Vous savez, la police est organisée. Nous avons chacun son rôle. Moi, je suis de la territoriale. Il y a aussi une unité qui a une mission de protéger les institutions ainsi que d'autres activités commerciales. Et les gens confondent deux fois. Mais nous travaillons compte tenu de la Constitution, en suivant la loi. Le rôle de la police, c'est un rôle constitutionnel, de protéger les personnes et leurs biens. On ne peut pas tolérer, parce qu'il y a eu un cas dans ton confrère, nous devons laisser la justice faire son travail. Nous ne pouvons pas, nous ici, baisser les bras, qu'on puisse voler. Est-ce qu'en volant, en pillant, c'est ça rendre bénéfique justice? Et c'est ça le développement de l'état des droits? Non, nous ne pouvons pas tolérer. Ces gens, ce sont des gens qui s'amusent à distiller des mensonges dans les réseaux sociaux. Nous, on ne parle de ce côté-là. Nous devons faire notre travail. On ne sera jamais découragé. Tout celui qui va oser s'attaquer aux expatriés, que ce soit les Indiens, les Pakistanais ou les Libanais, les gens qui font leur travail, qui n'ont pas de problème, va trouver la police sur son chemin et on va prendre la personne, on l'a fait acquis des droits. Vous êtes dans votre rôle? Je suis dans mon rôle. Et je fais ça avec conscience. D'abord, nous remercier Excellence Monsieur l'Ambassadeur, la communauté indienne, nous avons remercié lobby, batumosu ba dongle miso, ba na malukuta, kolo ba kere, batumosu ba kufi. Alors que ba vidéo alors le camarade réseau sur ba vidéo le kuta isa endete. Leona Tongo, mon boule isa qui na 9e rue, ba mibi, ba kekuna, ba buki, mutuka ba to container, ba zui ba balo, ya ba friperie wana. To récupéré plus de 40, 23 je crois des bungi. Alors que mutuka ngo pe isa qui pe a indien de Libanais. Police a une mission ya kobate la batuna biloko na bango tokotala ekolo te tokotala langi ya mutu te mosa biso kobata ka batu oya komeka akokangama akokende kana makasisi tokangaka lelo batu misatu lobi tokotunda bango na parquet po basa misama mais o ba musu batikali wana obalingi koiba kobota biloko abato alors que makambo wana mokonzi amboka pesa ki deja mikano na ministre affaires étrangères na ministre intérieur ba olandelango sur le plan diplomatique na sur le plan ya justice kuna batika gouvernement na makamwana yona kimoibi nayo oye okukuta police tokokangayo kana makasese kuluna soki tokoti pe na biloko wana justice oke na justice esengele baboti batoye bate abato bana bango tozwa ki piage na moko passe nyoso tozana ngo lelo e bani na piage tozongi si mama kasi lelo so ya mama piage na moko okokuta biso ozala nani na ba politicien oyo bazo tunda bino tokebisi bango tozo pe na video na bango o bani ngi ko ba lo bakye bato bakufi makamba lokuta ba politicien a mal de positionnement tokanga bango pe tokutina bango pe bakende kosambisa ma pona incitation à la violence. Je suis un Congolais. 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 Je suis
Je crois que justice est allée, je crois que justice est allée, je crois que justice est allée. À Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasoro. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleur selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu. Référence, stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salemananouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanokakae. Mission TV, le miroir du monde.